monsieur. Salut. Tout est prêt là-haut, Marcel? Le dernier client est parti hier soir. Bonjour, bonjour madame Pauline. Bonjour, monsieur Maxence. Et le personnel? Payé, mise en congé, comme d'habitude. Les clarines sont perdues. Et la jambe, ça va? Vous voyez du tonnerre. Alors, on y va? Allons, c'est moi qui conduis. Alors, accrochez vos ceintures. Alors? Une petite et ma vie. Une petite et ma vie. Tirez plus tôt, les enfants. Toute la montagne est à nous, hein. Paul, s'il te plaît, respire. C'est maniable, ces engins-là. Henri, on va déraper. C'est ridicule. Henri, attention. Laisse-le, ça l'amuse. Mais pourquoi? Tu n'as pas confiance? J'ai envie de faire de Pelvos dès demain matin. Sans tire-fesses et sans touristes. D'accord, Apolline? Vous sortirez seulement si le temps le permet. Vous allez voir que pour skier, il nous faudra un bon de sortie. Tiens, ben, j'y penserai à ça. De toute façon, toi, tu viens au sport d'hiver pour le costume. En tout cas, moi, il n'est pas question que je reste enfermée. Comment, Apolline? Tu n'aimerais plus les clarines? Si, quelle idée! Les clarines, c'est notre Shangri-La. C'est Xanadu, le palais des glaces. Où notre groupe vient retremper son âme et penser ses plaies. D'ailleurs, où irais-tu? Et avec qui? Des clusters sans savoir. Oui, mais c'est plutôt comme ça. Un grand artiste, ce petit. Merci, monsieur. Le dîner va être servi dans une demi-heure. Ça, Julie. Et voilà. Il faut bien que les meilleurs gagnent. Paul. Paul. Julie, il m'a dit qu'il en avait assez de vos truites à la savoyarde, de vos fondues à la savoyarde et de vos gratins à la savoyarde. Je n'écoutais pas. Non, c'est pas vrai. Au revoir, mon Apolline. Je serai de retour pour ton anniversaire. Tu jures? Je jure. Quand même, tu aurais pu te débrouiller pour faire autrement. Un président directeur général fait ce qu'il veut. Un directeur adjoint n'a compte à rendre qu'à son président. Un artiste n'a pas la notion du temps. Tandis qu'un flic, ça peut se payer toutes les mufleries, c'est bien connu. Eh bien, vous serez heureux sans moi. Attends, je t'accompagne. Et voilà. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Puisqu'on ne l'a pas fait, je m'excuse pour lui. Bon, je n'en veux pas. Si seulement il était un peu moins... Avec Henri, ça n'est jamais un peu moins, c'est toujours un peu plus. Et même un peu trop. Mais ne te laisse pas marcher sur les pieds. Si Henri se prend pour le patron, c'est qu'il est le patron. Bon, parce qu'il a épousé ta sœur. Bon, parce qu'il a les qualités d'un grand directeur. Mon père a une idée de génie en le choisissant. Et te voilà directeur adjoint à vie. Je m'en fous. Tu n'as aucune ambition? Non.
Ça va, la Marseille. Tiens. Regarde Napoléon, c'est l'ambition qu'il a perdue. S'il était resté petit caporal, il serait toujours sur le trône. Alors vendredi, au quart de 18h30. J'ai pas envie de rater la fête. Ah. Ne m'oubliez pas. T'inquiète pas, tu es inoubliable. Allez, Marcel. Salut. C'est agaçant, cette manie qu'il a, Paul, de partir avant et d'arriver après. Tu ne trouves pas? C'était inutile de lui rappeler. Il te l'a dit? Non, c'est moi qui te le dis. Voilà. Tu vois, ça recommence. Déjà, à la fac, ils étaient tous contre moi. Et pourtant, quel groupe ont formé, tous les quatre, hein? Nous étions vraiment comme Castor et Pollux. Ah, bah tiens, c'est nouveau, ça, ça manquait. Oh, oh. Je crois que c'est le moment de placer la réplique de rigueur, si on faisait un bridge. Non. Moi, je propose le jeu du détective. Même sans Paul, on a le droit, hein? Si tu veux. Mmh. Assieds-toi. Tu as une idée de canevas, Pauline? Non. Et toi, non plus? Non, non. Moi, j'ai une idée, j'ai une situation. Alors, voilà. Il s'agirait de bons amis qui ont fait leurs humanités ensemble. Hein? Ils sont trois ou quatre. Disons quatre. Ils sont très liés. L'un d'eux a même épousé la sœur d'un des trois autres. Et tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où le mari découvre, enfin, s'aperçoit de... Vous voyez ce que je veux dire? Très intéressant. Bon, alors, on le fait, ce bridge? Tu préférerais le bridge? Non. Et toi? J'attends de comprendre. C'est quoi au juste ton canevas? Bon, alors, le cocu décide de faire une enquête. Et là, je vous apprends quelque chose, à savoir que l'un des quatre est flic. Alors, tout de suite, vous vous dites, bon, bah, c'est à lui, bien sûr, qu'il va confier cette petite affaire. Eh bien, non, justement, parce que qu'est-ce qui lui prouve au mari que ce n'est pas le flic qui... Hein? Tu comprends? Henri, c'est d'un goût... Alors, heureusement, le mari est au mieux avec le chef de sécurité de son usine. Et c'est à lui qu'il confie cette petite affaire. Résultat, 6 mois d'enquête que je trouve personnellement très, très, très intéressant. Connaissez? Apolline, c'est carrément chez moi, quand j'étais à Montréal. Vous ne regardez pas. Arrête ce jeu. C'est vrai. Je te dois une explication. Non. Non, pas du tout, c'est moi. Jean avait décidé de te parler. Mais moi, j'en avais pas très envie. J'avais peur. De moi? Non, non, pas du tout. Non, j'avais peur de te faire mal. Mais enfin, je vois que, comme d'habitude, tu as su précéder l'événement. Je vais partir avec Jean. Je te demanderai une seule chose. Divorçons, mais sans nous déchirer. Mais vous n'avez pas très bien compris, je ne demande ni explication, ni excuse.
J'en aurais le droit, remarquez. Non, non, on passe l'éponge. J'oublie tout. Mais vous aussi, vous oubliez. Ça veut dire quoi, vous oubliez? Ça veut dire quoi? Ah, ne touche pas à ça, toi. Ça veut dire pas de divorce, pas changer quoi que ce soit à notre vie. Diriger une des sociétés d'électronique les plus importantes d'Europe, c'est quelque chose tout de même. Sans compter qu'on parle de toi pour le Conseil Général de la Savoie. Eh oui, je ne vais pas sacrifier tout ça pour une petite histoire de coucherie. Mais c'est pas de rabaisser. Tu es mieux que ça. Je te remercie. Je ne suis pas heureux de cette situation. Ah ben, je comprends ça. Mais tu ne pourras pas empêcher... Empêcher quoi? On ne discute pas. Je vous fais part de ma décision, c'est tout. Alors voilà, c'est très simple. Quand vous aurez promis de renoncer à vos promenades romanesques, on oubliera tout. Mais d'ici là, il faut jurer. Allez, vas-y, jure. Henri, c'est absurde. Nous devons parler de tout ça raisonnablement entre amis. Nous sommes des personnes sensées. Apolline est la plus sensée d'entre nous. Elle sait très bien ce qui arriverait si vous partiez ensemble. Je t'en prie, pas de chantage. Oh, dis, c'est toi qui me fais la morale maintenant? Oh! Dis donc! Voilà, c'est très simple. Quand ce petit automate sera arrêté, il faudra que cette affaire soit réglée. Hein? Voilà. J'attends. Non, Jean. S'il te plaît, reste. Tu ne penses tout de même pas régler un pareil problème de cette façon. Affectionné beau-frère, Maxence le fidèle, il faudra que tu jures, toi aussi. Jurer, moi? Et quoi? D'oublier. Alors, Apolline? Je jure. Ah non, pas comme ça, plus fort, s'il te plaît. Je jure. Ah, voilà, ça c'est mieux. Il y a quelque chose de là. Comme ça. Allez, on vous attend tous les deux. Et, ah, ça y est. Allez, Maxence. Jure. Je le jure. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Très bien. Toi aussi, Jean. Qu'on en finisse. À la demande d'Apolline, je le jure. Demain, si vous le voulez bien. On passera la journée là-haut, et puis on fera un vrai pique-nique. Je pense bien avec tout ce qui est tombé cette nuit. Jarret de porc, chou frisé, plat de côte de bœuf. Et qu'est-ce que c'est ça, la petite fantaisie, Julie? Un petit cervelas en plus. Oh! Du cervelas! Me remettez donc le couvercle. Il y en a encore pour une bonne heure. Oui, les gens! Thank you.
t'attends. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça sent bon ici. Ah, très bien. À moi le premier tour de corvée. Comme ça t'obligera à sortir de ta tanière. Bonjour. Bonjour. Jean, n'oublie pas que le raccourci, c'est dangereux. Et puis, il faudra attraper la boulangère avant midi. Les vacances, c'est bien joli, mais ça doit pas tourner à l'anarchie. Non, il faut de l'organisation. Les enfants, la vie en commun, ça implique des devoirs. Faudra penser au bois aussi, tiens. Marcel pourra très bien faire ça, monsieur. Ah, Julie! Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis inquiet, j'ai peur que le temps se détraque. Non, sérieusement, sans me ménager. On peut dire qu'Apolline et toi, vous avez créé l'événement. Tu nous en veux? Ça ne me regarde pas. S'il te plaît, réponds-moi. Eh bien, j'en veux à Henri de ne pas avoir su rendre Apolline heureuse. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné la présomption de croire que tu le pourrais? Moi, je l'aime. Ah. C'est beau, l'amour. Dommage que tu y aies renoncé aussi vite, et sur ordre. Je n'ai pas renoncé. Pour qui me prends-tu? Ah, tu aimes le danger, hein? Tu sais qu'il y a une acoustique merveilleuse ici. Écoute. C'est beau, hein? C'est drôle, ça fait des années que tu traînes avec nous et tu n'as toujours pas compris nos règles du jeu. Je ne joue pas. J'ai juré parce qu'elle me l'a demandé. Je respecterai ma parole tant qu'elle l'exigera. Très bien. Je peux avoir vu ça au moins une fois dans sa vie. Au moins cette année, vous ne vous ennuyez pas. Monsieur Bonnet, je vous salue bien. Bonjour, monsieur Maxence. Petit blanc sec. Ah non, 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 il est trop tôt. Non, donnez-moi un petit café. J'ai préparé vos cigarettes. Ah. Et votre journal. Merci. Ben là-haut, au Clarine. Tout va bien? Au Clarine? Oui, oui, ça va bien. Ça va très bien. Ah, ça, c'est pas mal. Mm-hmm. Vous marquez bon anniversaire à Pauline, mais pas de bougie. D'accord. Et il vous le faut pour quand? Je passerai le prendre vendredi soir. Ah bon? Mais alors pas plus tard que 6h, 6h15, hein, parce que moi, après, je m'en vais. J'aime pas rouler dans le noir, surtout avec le verglas. C'est entendu. Au revoir. Au revoir. J'adore ces stations vides comme ça. Ah oui, ça, on peut dire qu'on s'amuse bien, tous les quatre. Tu veux que je t'aide? Allez, courage, bonhomme, hein? Henri, attends! Alors, toi, la descente est plus difficile! Oh, bah, ah. Voilà. Ça commence bien. Bon, mais c'est terminé le ski d'été. Non, c'est sûrement rien. Demain, ça ira mieux. Allez. Toujours optimiste, mon mari. Toujours optimiste, ça. Mais toujours ton mari, hein. Essaie de marcher. Oh non, ça fait mal.
pas peur, ce n'est que moi. Tu vois, j'avais une petite faim. Je te regardais, tu prends des calmants maintenant? Non, c'est seulement de l'aspirine. C'est ta cheville qui te taquine? Comment va-t-elle? Avec ça, ça va. Le bâton du trappeur. Tu devrais le brûler maintenant et l'autre avec. Tu les as gravés pour moi? Je croyais que c'était pour toujours. Mais tu vois, la noisette est un bois très dur. J'avais trop présumé de ta force. Mais toi aussi, tu as juré. J'ai peur. Pour toi. Tu oublies que Henri est majoritaire de la maison de disques qui édite ta musique. Tu oublies qu'il peut te démolir. Tu as pu croire que ça m'arrêterait. Que j'hésiterais entre toi et une carrière. Une carrière, ça se recommence tous les jours. En France ou ailleurs. Nous allons partir. Et loin. Je sais pas. Je t'en prie, laisse-moi le temps. Aussitôt après ton anniversaire, nous annonçons notre décision. Et samedi, nous serons loin, très loin. Tu as vraiment cru que je pouvais continuer de vivre à côté de toi en oubliant tout? Oh, Jean, faut que je réfléchisse. À quoi? À ce que tu vas perdre? Je vais avoir 40 ans. Tu l'aimes encore? Très bien, réfléchis. Mais jusqu'à vendredi soir, après ce sera trop tard. Si tu ne pars pas avec moi, je partirai seul. Et pour toujours. Je te signale que je ne veux plus de tête-à-tête avec Jean. Les sports d'hiver, c'est aphrodisiaque, c'est bien connu. Tu es vraiment ignoble. Ignoble, moi? Non, je peux supporter bien des choses, mais passer pour un con, ça... ça m'est difficile. Du côté vieux jeu, peut-être. Je comprends pas pourquoi tu veux me garder s'il y a plus d'amour entre nous. Plus d'amour? Ça, on n'en sait rien. Pourquoi tu me traites comme si tu ne m'aimais plus, alors? Ah là là. Tu vois, on ne se pose plus que des questions. Tu tiendras ta parole. Écoute, cesse de me harceler. Bien. De quoi as-tu envie pour ton anniversaire? D'une surprise. Thank you.
Maxence. Ah, j'ai oublié, bon anniversaire. Attends, ce soir, Maxence. Ah non, alors je vais être le premier. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Attends, j'arrive. Ça va? Bien sûr que non. Je peux te poser une question? Mais oui, tu es mon petit frère. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de Jean? Parce que tu aurais pu comprendre tout seul. Mais qu'est-ce qui peut te faire croire que j'aurais approuvé? Parce que tu es mon petit frère. Eh bien, justement. Tu n'es pas marié, tu peux pas comprendre, Maxence. Parce que le mariage rend intelligent. C'était bien assez de mentir tous les deux. Je continue à respecter Henri, tu sais. C'est un sadique, nous faire vivre tous ensemble comme si rien ne s'était passé. Je veux pas que tu sois malheureuse. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, hein? C'est ton anniversaire. Tu m'achètes une cheville neuve? J'aime trop les tiennes. Viens, allez. Viens, rentrons. Et Henri, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui demanderas toi-même. Non, laisse-moi faire. Je vais t'aider. On ne sait plus si tu fais de la musique ou des mathématiques. Quoi? On ne sait plus si tu fais de la musique ou des mathématiques. C'est la même chose. Henri m'a convaincu qu'on pouvait introduire dans le programme un principe d'incertitude. De chance, si tu préfères. Oui, le hasard et la nécessité. C'est vraiment une idée fixe. Ça va? Oui, très bien. Je suis assez content que Paul arrive ce soir. Moi aussi. Et puis ça s'est encrassé. Mais alors on est bloqué ici? Ah non, ça sera réparé pour aller chercher Monsieur Paul. Si, nos partenaires de Stuttgart ont donné leur accord. Ah, c'est bien ça. Tu vois, il suffit de partir en vacances et tout s'arrange. Je descends, moi. Tu accuses réception? Bien. Non, plutôt non, je m'en occupe, c'est plus sûr. Qu'est-ce que j'ai pu faire ce matin? J'étais sûre de l'avoir laissé là. Ça m'énerve. Vous n'auriez pas vu mon bâton de ski? Je le cherche partout. Ah non, madame Apolline. Je me demande où il peut être. J'espère que Marcel pourra réparer le rattrape. Sinon, adieu le gâteau. On s'en souviendra de cet anniversaire. Dites-moi, Julie, le gigot au four, pas avant 7 heures, sinon il serait trop cuit. Je sais, je sais. Mais Monsieur Paul, il n'aime pas le saignant, lui. Ah, Julie, les hommes, c'est pas simple.
Saignant d'un côté bien cuit de l'autre. Vous parlez si c'est pas ça. Encore perdu quelque chose. Cherche mon bâton de ski. Et moi, je cherche mon réveil. Vous êtes servi, monsieur. Merci. Oh, les enfants, vous savez ce qui m'est arrivé? Je me suis fait payer un coup par le père Bonnet. Ah, bah t'as de la chance. Moi, j'y suis jamais arrivé. J'aime autant vous dire que ça m'a pris un temps. On te demande rien. T'as pas besoin de t'excuser. Oh, c'est joli, ça. Mais laisse ça. C'est personnel, ces choses-là. Ah, tiens, le voilà ton oiseau. Mes enfants, si on passait aux choses sérieuses... Oh, encore? Non, mais on n'est pas forcé de faire un bridge. Je vous propose une partie de bombu. Ah, là, je suis d'accord. Moi, je suis très fort. Ça vaut pas la peine. Il va falloir s'arrêter pour descendre au village chercher Paul. Non, si on commence tout de suite, on aura le temps. Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Ah. Bon, ben, tu commences. Moi, je finirai. Savoir finir, c'est le grand art. Ah, justement, justement, justement. Alors, Maxence, Apolline, Jean, Henri, 17h05. La partie devra se terminer à 18h15. Partie de bambou. Une partie de bambou. Mais dépêche-toi. Non, mais j'ai jamais de jeu. Tu l'as déjà dit, ça. Alors disons que je suis idiote. Mais non, tu n'es pas idiote, mais le bambou est un jeu scientifique. Ça demande un esprit logique. Ça, tu l'as déjà dit. Il est 6h moins 5. Je sais vraiment pas quoi jouer. Réfléchis un petit peu. Parmi tes 8 coups, t'en as sûrement un qui est moins mauvais que les autres. Même le hasard a sa logique, je me tue à vous l'expliquer. De toute façon, tu ne comprends rien à rien, alors. Oh. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente la championne de lenteur, toute catégorie. Mon Dieu, oui, ça suffit. Ce n'est qu'un jeu. Évidemment, ce n'est qu'un jeu. Excusez-moi, j'ai pas fini. Mais le ratraque sera pas réparé pour aller chercher Monsieur Paul. Oh. Pour malheureux, on sera quitte pour se débrouiller tout seul. Non, j'irai à sa rencontre. J'irai moi, de toute façon. Oui, de toute façon, je crois qu'il est l'heure. Ah non, 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 les enfants, non. On se débrouillera, Marcel. Mais pas me frustrer de ma victoire. Surtout pas. Maintenant, c'est toi qui traînes. L'autocar est en train d'arriver. Non, mais il a perdu l'avance. Et avec le temps qu'il fait, il sera sûrement en retard. Ben voilà. Bon. Y'a plus qu'à faire les comptes. Qui n'aura pas son gâteau d'anniversaire? Tant pis. Bon, alors, premier, naturellement, c'est moi, seul résultat positif. Plus 11. Deuxième, Maxence, moins 20. Troisième, Jean, moins 25. Et quatrième, bien entendu, Apolline. Moins 75. Oui, mais c'est elle la plus belle. Dis-moi, Jean, laisse tomber. Notre Sherlock Holmes se débrouillera bien tout seul. Non, non, j'y vais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le gâteau d'anniversaire. Non, laisse, Jean. Il sera aussi bon demain. L'anniversaire, c'est aujourd'hui. Bon, parce que si tu tiens absolument à y aller, alors fais bien attention.
Ne prends pas le raccourci, c'est dangereux. T'en fais pas, je suis assez grand. Alors au revoir. Du type qui demande à son copain, qu'est-ce que tu fais si tu rencontres un lion dans le désert? Ben si. Alors il lui dit, eh ben je me mets à courir. Et si le lion se met à courir derrière toi, eh bien je monte sur un arbre. Et si le lion monte sur l'arbre, eh bien je monte sur la plus haute branche. Et si le lion monte aussi sur la plus haute branche. Qu'est-ce que c'est? Une avalanche? Jean, je lui ai dit de ne pas prendre le raccourci. Eh ben alors, et le gâteau pour la dame des Clarines? Moi, je peux plus attendre. Eh ben, laisse-le là. Si personne ne descend, Monsieur Paul le prendra. Je le laisse là? Oui, allez-y. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est dans le raccourci. On devra aller voir. Mais pas d'affolement, il sera là dans 20 minutes. Vous avez pas entendu l'avalanche dans la combe? Moi, j'y vais. Mais je vous laisse ça, hein. Merci. Prévenez au moins les gendarmes. Il va le croiser sur la corniche. Avec Paul. Avec Paul et ton gâteau. Va te changer, c'est ta soirée. Je crois que je t'ai fait un beau cadeau pour ton anniversaire. C'est dans le coin des Clarines. Appelez les autres, il y a peut-être quelqu'un dessous. C'est toujours la même chose. Vous n'avez pas vu Monsieur Bellard? Monsieur Jean, bah non, justement, je m'inquiétais. Il devrait être ici, il est parti des Clarines bien avant moi. Bah oui, il devait prendre le gâteau. La boulangère n'a pas pu attendre. Un pas en avant. Sortez. Allez, c'est le temps, chef. Allez, allez. Un pas en avant. Amenez l'oxygène, vite. Sortez. Un pas en avant. Sortez. Un pas en avant. Sortez. Arrêtez les matraques. Un pas en avant. Sondez. Paul. Un pas en avant. Sondez. Enfoncez plus les piquets. Enfoncez plus. C'est pas possible. Un pas en avant. Sondez. Un pas en avant. Allez, cherche. Sondez. Avoir froid avec tes petites chaussures. Un pas en avant. Bien, c'est toi. Bien, viens. Sondez. Ici. Apolline, tu ne devrais pas rester ici. Si, je veux rester. Fais quelque chose. Envoyez des hommes plus haut. Non, non, n'y va pas. Continuez à sonder les autres. Docteur. L'oxygène, s'il vous plaît. L'oxygène, vite. Tu es sur le coup, rien à faire. Il a dû être emporté sur plus de 100 mètres au moins. Il n'a pas lâché ses bâtons. Lieutenant, regardez. Ils sont même dépareillés.
Mais c'est le bâton de Madame Apolline. Qu'est-ce qu'il faisait avec le bâton d'Apolline? Je crois que ce bâton est à vous, madame. Et il faudrait que... Je vous remercie, lieutenant. Contrôleur général Colson. Non, merci. J'aimerais garder ce bâton. Eh bien, je vous les laisse. Oh, monsieur Paul, c'est moche, hein? Pour l'anniversaire de madame Apolline, ça n'aurait pas dû arriver. C'est bien mon avis. J'en aurais jamais dû prendre ce raccourci. Non. C'est l'avalanche qui n'aurait jamais dû dégringoler. Le gel de la nuit commençait. Mais alors, ce sont des promeneurs? Ils n'auraient pas dégringolé avec? Une météorite, alors. C'est pas la saison. Apolline, mange. Le spectacle continue. C'est ça. Tu vis, c'est l'essentiel, Henri. Tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, je ne fais de reproche à personne. Je suis aussi bouleversé que vous. Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Jean est mort, nos querelles n'ont plus de sens. Enfin, je veux dire, elles ont maintenant un autre sens. Ça veut dire quoi, ça aussi? Tu as pris ton aspirine, Paul? Oui, oui, t'inquiète pas, ça ira. Ensemble nous croire éternels, quelle présomption. C'est pour ça que là-haut tu disais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit ça, peut-être pour ça, pour autre chose. Avez-vous joué au jeu du détective ces jours-ci? Non, quelle idée. Écoute, Apolline, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clair. Avez-vous joué ou envisagé de jouer au jeu du détective? Non. Pourquoi? Parce que j'ai reçu ceci. À l'attention du contrôleur général, Paul Colson. Si l'on doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité. C'est mourir deux fois que de mourir par la volonté d'un autre. Signé la victime. J'ai reçu cet lex à mon bureau hier matin. J'ai pensé que l'un de vous me préparait un canevas. Ça n'aurait pas été la première fois. En tous les cas, cet lex a été envoyé à partir de votre machine ici. C'est insensé. Si ce n'est pas l'un de nous qui a envoyé cet lex, c'est qu'il vient de Jean. Peut-être. Alors? Alors rien. Jean nous préparait une plaisanterie à sa façon. La fatalité lui a répondu d'une manière tragique. Excuse-moi, je suis fatigué. Bonsoir. Qu'est-ce qui lui arrive? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, lieutenant. Le courant va bientôt être établi. Ah, très bien. On a trouvé ça sur les lieux de l'avalanche. En le voyant, on se rend compte de la violence du choc. En effet, oui. Peut-être qu'avec le dégel, on va trouver autre chose. Peut-être. Ah, rien, c'est le deuxième bâton de Jean. Passe-le-moi.
La lumière. Julie. Julie. Il faut manger, madame. Même quand on a de la peine. Mais tu vois, même Julie te le dit, hein. Même quand on a de la peine. Elle n'a rien mangé. Et le gâteau, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu veux en faire? À la poubelle? Mais vas-y. Cesse de te tracasser. Les avalanches, je les sens venir. Même sous les couvertures. Et celle-là, j'ai rien senti. Ben, c'est que tu vieillis. Ah. Dis-moi, tu veux pas une cigarette? Dans ma chambre. Paul. Paul, il faut que je te parle. À cette heure-ci, il est tard. J'admire ton self-control. Mon self-control? Oui, ton apathie, ton indifférence. Bon, qu'est-ce que tu veux? Paul. Paul, il y a une terrible question que tu t'es posée. J'ai vu comme tu regardais Henri. Tu es inquiet, hein? Ce téléx de Jean, ce message posthume. Oui, j'ai cru reconnaître une citation de Voltaire. Oh, arrête! Tu vas pas me dire que ce message ne t'a rien fait. Moi, je ne dis rien. C'est toi qui veux parler. Alors, je t'écoute. Eh bien, je pense. Je crois que tu crois qu'il s'agit d'un meurtre. Et toi? Moi? Oui, toi. Tu le crois? C'est moi qui te le demande. Tu es le policier. Ah non. Je t'avertis, le jeu du détective s'est terminé. Ici, je suis Paul, rien que Paul. Alors, j'ai pas envie de manigancer quoi que ce soit. Alors? Alors, rien. Tombé du lit. Toi aussi? Tu vois, c'est d'ici que l'avalanche est partie. Oui, ça j'ai cru le comprendre. J'ai cherché dans la remise le deuxième bâton d'Apolline. Et il n'y était pas, je sais. Alors où est-il?
Sous l'avalanche? Ça voudrait dire que Jean aurait emporté 4 bâtons. Pourquoi faire? Salut les enfants. Tu sais que tu m'as fait peur? Ah, pour un flic, chapeau. C'est pas les amis qu'il faut craindre. C'est la montagne. Paul voulait savoir comment fonctionne la mécanique à catastrophe qui a tué Jean. Mécanique à catastrophe, quelle expression. Vous voyez, moi, je suis venu ici pour la première fois, j'avais 6 ans, c'était avec mon père. Alors je crois que je commence à m'y connaître. Aujourd'hui, par exemple, ça a dégelé, alors c'est instable. Tiens, tu permets? Regarde. Vous l'entendez soupirer? Ah, on peut faire mieux si on choisit bien l'emplacement, tiens. Et s'il y avait eu quelqu'un en bas? Ah, mon grand, on n'emprunte pas un couloir d'avalanche sans savoir qu'on risque d'en prendre une sur la tête. En montagne, l'homme, c'est Dieu. Occupez-vous d'Apolline. Je pars pour 48 heures. Quoi, tu t'en vas? Quoi, tu nous demandes de rester et toi, tu t'en vas? Ben, je n'oblige personne, il faut que j'aille à Stuttgart. T'aurais pu envoyer un Telex? T'as déjà vu signer un protocole d'accord par Telex? Et puis, il faut que j'aille à la gendarmerie, pour Jean. Fais attention. Un accident, ça suffit, tu ne crois pas? L'accident, la fatalité, le hasard, l'inéluctable, ce sont des mots qu'on dit quand on ne sait plus qui ou quoi accuser. Hein. Tu préfères le principe d'incertitude? Eh oui. Et n'oubliez pas de prendre votre sauna! Encore pris 2 kilos avec les bottes de Julie. J'aurais jamais dû rester. On peut quand même pas oublier Stelex. Si j'en ai envoyé, c'est qu'il avait peur de quelque chose. On ne donne pas tant de mal pour faire une blague. Je suis sûr que si tu n'étais pas un peu de la famille, tu aurais fait quelque chose. Mon petit Max, un policier n'enquête pas plus sur ses amis qu'un chirurgien. Le père, sa femme. Oh, c'est spécieux, ça. Tu te défiles. Au fond, tu as peut-être raison. Dis donc, tu me prends pour un imbécile. C'est toi qui as envisagé l'éventualité d'un crime. C'est toi qui essaies de m'en convaincre. Tu veux une enquête? Allons-y, première question. Sais-tu quelque chose que je ne saurais pas? Ah, il faut savoir. Tu veux une enquête ou tu en as peur? Peur? De quoi est-ce que j'aurais peur? Parce qu'une enquête, c'est toujours très désagréable. Même si on découvre que tu t'es trompé, elle serait fatale à l'amitié du groupe. Écoute, Paul, il y a quelque chose que tu ne sais pas, mais je n'ai pas le droit de t'en parler. Apolline, je n'ai pas voulu être indiscret avec toi et parler à Paul, mais maintenant, étant donné les circonstances... Non, Vincent, s'il te plaît. Tu ne me fais plus confiance. Si, mais cette histoire est tellement odieuse, tellement pénible, tellement... Non. Non, il faut parler. Parle ou je parlerai moi-même. On ne peut pas rester dans cet état. Non, je ne veux pas vous laisser. Je ne suis pas de trop. Excuse-nous, Paul, mais c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Oui, ça, je m'en doute. Et je vais vous dire ce que vous ne voulez pas me dire.
La liaison d'Apolline et Jean a fini par sortir de la clandestinité. C'est ça qui est si compliqué. Henri t'en a parlé? Henri a bien trop peur du commissaire Saint-Paul. Oh, arrête. Je ne t'ai jamais jugé, Apolline, mais je crois que maintenant vous en avez ou trop dit ou pas assez. Henri leur a fait prêter serment. Prêter serment? De renoncer à faire leur vie ensemble. Et de renoncer à tout espoir de divorce. J'ai juré. Enfin, nous avons juré. Décidément, Henri m'épatera toujours. Eh oui. Bon, ben, si vous avez juré, justement. Jean n'avait pas l'intention de tenir sa parole. Et toi? Moi, je n'avais dit ni oui ni non. Tu voulais réfléchir, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as une bonne mémoire? Tu vois, on change jamais. Mais Henri était-il au courant de votre projet? Connie, je t'en prie, parle, c'est le moment. Oui, je suis sûre qu'il nous a entendus quand on en parlait. Et tu refuses l'idée que cet accident pourrait ne pas être un accident? J'y pense. Depuis que j'ai entendu le bruit des pelles qui soulevaient toute cette neige. Mais je refuse d'y croire. Henri n'a pas pu faire ça. On n'a pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit! Jean est mort sous une avalanche. Oui, Jean est mort. Ça, c'est un fait. Un médecin a fait un constat, il a délivré un permis d'inhumer. Oui. Bon, Jean n'a pas été étranglé, empoisonné, poignardé, assommé pour être transporté, je ne sais. Oui. Bon, je réfléchis. Tu allais dire transporté dans un endroit où on pouvait s'attendre à une avalanche? À peu près. Ça continue. Encore faudrait-il être sûr qu'une avalanche va se produire. Oui, continue. Et on ne peut pas en être sûr, par définition. Alors, conclusion? Une avalanche provoquée par une explosion. Télécommandé à distance? Ah, ça, c'est possible. Non. Parce qu'une explosion, ça laisse des traces dans la neige. Et surtout, une explosion, tout le monde peut l'entendre. Aux Clarines, à Saint-Bon. Non, il faut être très prudent. Très prudent. On peut tout de même envisager des hypothèses. On peut envisager le pire. On n'a pas le droit d'accuser. Ta sœur avait raison. Oui, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Thank you.
Tu crois que je n'aime pas Henri? Tu te trompes. Mais on peut aimer. Essayer de comprendre. C'est eu un engin explosif. L'avalanche a entraîné des débris jusqu'ici. Même une épingle dans une botte de foin, ça se retrouve. À condition que l'épingle existe. Attends. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Regarde! Le deuxième bâton d'Apolline. Dis donc, le coup de bol, hein? T'as eu la main heureuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Rien que les hypothèses. Toutes les hypothèses. Ah bon? Ah, parce que c'est moi qui réenterrais ce bâton ici pour te prouver que j'avais raison. Non. Non. Mieux que ça. Ah, c'est carrément moi qui aurais organisé la mort de Jean. C'est ça? Et dans quelle vue? Pour faire accuser Henri. Ah. Bien, tu aurais pu préparer un piège pour Henri lui-même, mais ces gens qui, par malchance, seraient tombés dedans. Tu vois que les hypothèses ne manquent pas. Et toi? Toi, puisqu'on en est aux hypothèses, qu'est-ce qui me prouve que l'autre jour tu as quitté le pays? Tu aurais toute l'attitude, toi aussi, de préparer un piège. Oui, mais pourquoi? Henri a un mobile, toi, il est facile de t'en trouver un. Mais moi? Toi, t'es amoureux d'Apolline, et depuis toujours. Malheureusement, tu as eu la mauvaise idée de la présenter à ton ami Henri. Mais remarque, depuis, il t'invite dans son chalet. C'est sympa. Ça suffit. Qu'est-ce qui te gêne? Toutes ces cachotteries. Cette sorte d'enquête à l'insu d'Henri. Tu aurais préféré l'amener avec lui? Pourquoi pas? Ça aurait été plus loyal. Nous sommes ses hôtes. Tu me fais rire. Tu es vraiment un drôle de flic. 20 ans d'amitié, ça compte. Mais Jean? Jean n'était pas notre ami? Bon. Salut, je rentre. Adieu. En 8 jours, où je deviens gratteux, où le monde se détraque. C'est dans le couloir de Tête Noire. Pardi, je sais peut-être plus les voir venir, mais je sais encore où ça se passe. Je prends le raccourci. Ça ne prouve rien. Si. Malheureusement, si. Si j'ai pu déclencher une avalanche à heure fixe avec un dispositif comme celui-là, ça prouve au moins que c'est possible. Ça ne prouve pas qu'Henri l'ait fait. Puis enfin, regardez, cet objet invraisemblable. C'est un truc de Boy Scout, ça. Vous imaginez Henri en train d'attacher ce réveil avec cette ficelle? Lui, un spécialiste d'électronique? Non, mais c'est ridicule. Justement, c'est une excellente façon de détourner les soupçons. C'est du délire, tu... On voudrait te faire comprendre ce que nous-mêmes nous avons eu tant de peine à admettre. Pauline, si vraiment tu te sens pas la force, on n'est pas obligé. Oui, je veux savoir. Je veux savoir. Maxence, continue. C'est toi. Voilà. J'ai appliqué les principes du contrôleur général Colson. Pas de sentimentalité. J'ai relevé les faits. Rien que les faits. Alors que savons-nous avec certitude?
qu'un certain dispositif peut provoquer une avalanche dans le couloir à une heure choisie. Qui doit passer dans le couloir à cette même heure? Jean, dont c'est le tour de corvée. Jour de corvée choisi par Henri. Mais attendez, c'est avec le rat-traque que Jean devait aller chercher Paul. Il serait donc passé par la route de la Corniche et pas par le raccourci. Personne n'aurait pu prévoir que... Que le rat-traque aurait une chenille déchaussée. Sauf celui qui l'aurait saboté. C'est possible, mais non prouvé. Disons que c'est probable. Si j'étais avocat, je vous démolirais tout ça en expliquant au jury que présomption n'est pas preuve. D'ailleurs, comment obliger Jean à prendre le raccourci à la minute près? Comment? En le retenant le plus possible et par n'importe quel moyen, afin que pressé, Jean renonce au chemin normal et prenne le raccourci. Or, qui a proposé une partie de bambu? Henri. Et pourquoi le bambu? Parce que c'est le seul jeu dont les parties aient une durée déterminée, quasi invariable, autour d'une heure et quart. Or, nous avons ici enregistré sur ce micro-ordinateur, par Henri lui-même, le décompte des points minute par minute. Henri, qui est un excellent joueur de bambu, a freiné ou accéléré la partie à sa guise pour qu'elle se termine vers 18h25. Or, le quart de notre ami Paul devait arriver à 18h30 au village. Mais ce n'est pas tout. Jean aurait pu, malgré tout, accepter l'idée de rater l'arrivée de Paul. Après tout, nous ne sommes pas au régiment. Seulement ce soir-là, il y avait aussi le gâteau d'anniversaire. Jean voulait absolument arriver au pays avant le départ de la boulangère. La boulangère qui ne passe au village que deux fois par semaine et qui doit repartir avant la nuit à cause du verglas. Il est vrai que ce soir-là, c'est moi qui reparlais du gâteau d'anniversaire. Mais c'est Henri qui a chargé Jean de cette course. Henri. Toujours Henri. Admettons, tout est calculé pour que Jean passe par le raccourci au moment voulu. Mais tout de même, à quelques secondes près, il aurait pu passer juste avant le déclenchement. Ou bien arriver juste après. D'où le bâton d'Apolline. Comment s'assurer que la victime stationnera obligatoirement à l'endroit le plus dangereux en plantant au milieu du passage le bâton d'Apolline? Ce vieux bâton en bois que Jean lui-même avait gravé pour elle. Il commençait à faire sombre. Jean n'était pas très bon skieur. En apercevant ce signal insolite sur son chemin, Jean s'est arrêté. Il a pris le bâton en main, cherchant à comprendre, intrigué, inquiet même. Mais ce que Jean ne pouvait pas savoir, c'est que l'autre bâton d'Apolline était planté là-haut, dans le couloir, avec un réveil au bout d'un fil, transformé en machine infernale, réglé sur 18h30. Personne. Même si ça s'est passé comme ça, je comprends toujours pas pourquoi. Je n'avais rien promis à Jean. Henri n'est pas un fou. Je crois que pour Henri, l'intention va la fête. Toi, tu hésitais. C'était...
Déjà trop pour son orgueil. Mais on ne tue pas pour ça. Vous faites trop de psychologie. Les sentiments sont une chose, les intérêts une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Capoline possède 10% des parts de la société. L'épouse partie, le mari n'est plus majoritaire en part au conseil d'administration. Je ne savais pas ça. Mais Jean, lui, il savait. Il connaît Henri. Il a eu un pressentiment. Il a voulu laisser une trace. D'où ce message par Télex. Message non signé. Parce qu'il s'agit du groupe. Moi-même, j'ai hésité. Je n'ai pas osé accuser Henri. C'est ce qu'on appelle un blocage psychologique. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Paul, maintenant, tu as un dossier, des pièces à conviction. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà Henri. Bon, il faut te ranger. Henri, tu es déjà là? Mais qu'est-ce qui se passe? Où étiez-vous? On n'attend plus le grand voyageur? On t'a pas entendu arriver. Mon amour, j'ai pris le raccourci. Il y a encore eu une avalanche. Tu l'as vu? J'ai même failli passer dessous. Eh, j'ai faim, moi. À tout de suite. Ah, bonsoir, ma Julie. Oh, bien, je me trompe de verre. Bon appétit. Merci, Julie. Merci. Oh, mes enfants, il faisait un temps à Stuttgart. Inimaginable. J'ai eu de la chance de ne pas y aller. Tu sais, Maxence? Santé. Oh, Julie, il est solide, le potage. Il va tenir au corps, celui-là. Mais si c'est elle-là, ce ne sera pas le premier, tu sais. Ah, Linda, je lui parle même pas. Tu vas bien? Je te trouve une petite mine. J'ai la migraine. Tu n'as rien à me dire. Non. Apolline ne veut rien me dire. Maxence non plus. J'espère que j'aurai plus de chance avec toi. Julie, laissez-nous, s'il vous plaît. Mais j'ai pas fini, monsieur. Monsieur Paul a quelque chose à me dire. Ah bien, monsieur. Vas-y, je t'écoute. Il s'agit de Jean. Ah. De l'assassinat de Jean. L'assassinat. Je veux pas te faire un dessin. Je voudrais savoir si tu m'accuses. Si toi, tu m'accuses. Tu es mon ami. Mais n'espère pas éviter les explications.
tout nous confirme. Que... Nous ? Qui ça, nous ? Ah oui, bien sûr, tu n'es pas le seul. Vous me dressez un petit tribunal et c'est toi qui es chargé d'exécution. 3 balles dans la nuque, pam pam pam. C'est bien. C'est parfait. Tout le monde sur le pont, il va y avoir un coup de tabac. C'est pas banal comme situation, ça, hein? Où est Apolline? Apolline! T'avais juré, toi aussi! Henri, il ne s'agit plus de ça. Mais de ça. Mais ça. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? C'est un travail de fonctionnaire, un travail de cloporte. J'ai compte à rendre à personne, à personne! À personne. Mais alors, donne-nous ta version des faits. Bon, ben voilà. Il y a 5 ans, vous vous souvenez? En rentrant de promenade, dans le couloir, Jean a failli passer sous une avalanche. Il s'en est tiré de justesse, hein? Je vois pas le rapport. Eh bien, ce qui a failli se passer il y a 5 ans, c'est passé la semaine... La semaine dernière, c'est tout. La semaine dernière, rien ne serait arrivé sans toi. J'ai remplacé une probabilité par une probabilité encore plus grande. Le fameux principe d'incertitude. Selon toi, il ne s'agirait pas d'une action criminelle. Non, non. J'ai laissé ses chances au hasard. Et à Jean. À Jean? Mais oui, je lui avais conseillé de ne pas prendre le raccourci. Et il ne m'a pas écouté. Tout ça à cause du gâteau d'anniversaire d'Apolline. C'est ça qui l'a tué. Voilà la vraie justice, la vraie morale. La vraie morale. La tienne. Écoute-moi, Paul. Écoute. Il y a quelques années, nous avions un collaborateur. On soupçonnait de trahir les intérêts de la société, alors je l'ai convoqué, je lui ai dit de démissionner. Il m'a dit qu'il n'en supporterait même pas l'idée. Bon, ben alors je l'ai viré. Le lendemain, on l'a retrouvé noyé. Pour toi, ce suicide, c'est un assassinat ? Pour moi, oui. Mais rassure-toi, pour la loi, pas encore. Mes enfants, ce que nous venons de faire s'appelle un brainstorming. Comment disent-ils en français déjà? Ah oui, c'est ça, un tour d'horizon. Notre groupe a connu une secousse, mais maintenant il va partir du bon pied. Comme avant. Comme avant. Mieux qu'avant, peut-être. Au fond, on devrait te remercier. Grâce à toi, on a joué au jeu du détective, grandeur nature. C'est ça, oui. On a vécu fort pendant une semaine. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Apolline. C'est vrai que j'ai hésité entre toi et Jean. Et le soir de mon anniversaire, j'avais pris ma décision. Je serais restée avec toi. T'as fait mourir Jean pour rien. Apolline. Naturellement, le divorce sera prononcé entièrement à tes torts. Je ne sais pas ce que Paul compte faire, mais pour ma part, je pense que le mieux serait que tu disparaisses où tu voudras. À l'étranger, ce serait bien. Nos partenaires de Stuttgart auront peut-être un emploi pour toi. Je te laisse le chalet un jour ou deux, le temps de te retourner. Tu voulais sauver le groupe, tu l'as détruit.
connais la formule. Tout homme qui s'estime indispensable est un salaud. Un flic qui cite Sartre. Alors là, j'aurais tout connu. C'est pas ta femme que tu voulais garder. Ce sont ces 10%. Pour le consortium, ma carrière, la société, si tu savais ce que je m'en fous. Tu te souviens de ces bandes dessinées dans un quotidien du soir? Les amours célèbres, le crime ne paie pas. Eh bien moi, regarde, je te fais un petit dessin. Et j'écris en dessous, l'amour ne paie pas. Tu comprends ça, flic? L'amour ne paie pas. Et va-t'en, va faire ta valise. Je suppose que tu sais maintenant qui va me succéder à la tête de la société. Il avait tout compris depuis le début. Il m'a laissé faire. Tu ne me crois pas? Viens. Viens, le Telex a tout gardé en mémoire. Viens. Jeudi 7 avril. Si l'on doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité, car c'est mourir deux fois que de mourir par la volonté d'un autre, la victime. Et alors? Il n'y a que Maxence et moi qui avons le code de ce Telex. Je te crois pas. Ah bon? Tant pis. Alors salut. Pauline. Bien attention à vous, madame. C'est quand même un grand malheur. On irait. Au revoir, Julie. Monsieur Paul. Vous n'avez pas vu Monsieur Henri? Monsieur n'est pas encore descendu ce matin. Viens. Vous lui direz que madame est partie. Oui, monsieur. Viens, 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 viens.
Laisse-moi. Laisse-moi. Viens. Laisse-moi. Allez, viens. Content. Tu n'es plus sous-directeur à vie. Tu savais qu'Henri préparait la mort de Jean et tu as laissé faire. Mais tu ne sais plus ce que tu dis. Ensuite, tu t'es servi de moi pour éliminer Henri, d'une pierre deux coups, sans jamais te salir les mains. Mais tu ne sais plus ce que tu dis. Pas moi, c'est Henri qui le dit. Et tu l'as cru? Maintenant, je le crois. Un homme qui veut mourir ne ment pas. Alors, prouve-le.